Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 choses que j'ai constatées personnellement que la religion retire dans la jeunesse qui fait partie de l'église. Nous savons tous qu'aujourd'hui, dans les églises, 95% de la population est jeune. Et donc, cette jeunesse est apprivoisée avec un certain nombre de pratiques. Dans cette vidéo, nous allons voir lesquelles sont. On s'abonne, on like, on partage massivement et surtout on reste jusqu'à la fin parce que la 5e chose est vraiment la chose la plus importante que je vais, n'est-ce pas, communiquer avec vous. Alors sans plus tarder, on y va. Alors avant de commencer, petit disclaimer, mon but ici n'est pas de vous dire de ne pas aller à l'église ou de ne plus être chrétien. Ce n'est pas ça le but. Le but de la vidéo, c'est de vous enseigner un ensemble de pratiques qui sont faites pour vous permettre de pouvoir détecter ces choses-là et d'éviter de tomber dans ces pièges. Moi, je suis quelqu'un, j'ai vécu jusqu'à 20-25 ans dans un certain dogmatisme. Et je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses lorsque j'étais en train d'amorcer déjà les 30 ans. Et je pense que ça a été total pour moi. Mais tout compte fait, je me suis retrouvé en train de remettre en cause un certain nombre de choses. Et le but de ma vidéo, c'est donc de pouvoir mener un exercice pédagogique qui consiste à sensibiliser et à informer. Je ne suis pas là pour dire aux gens que ouais, faites ceci, faites cela. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Il choisit la tendance religieuse qui lui plaît. Il choisit la tendance politique qui lui plaît. Moi, je ne suis pas du tout pour vous demander de faire comme moi. Mais je vous donne les outils qui vont vous permettre de détecter ces choses au loin et de pouvoir, n'est-ce pas, vous en prémunir. On y va. Alors, la première chose qu'on vous retire, c'est la virilité. Vous savez, la virilité, c'est une chose qui vous permet d'être à la fois dans l'affirmation de votre jeunesse, mais aussi qui vous permet de contacter des rapports avec le sexe opposé. C'est-à-dire d'être dans l'expression d'une certaine sensibilité de votre masculinité. La virilité, c'est ce qui vous amène à parler aux femmes. À l'église, on interdit de parler aux femmes. Il faut se concentrer sur le ciel. Le plus important, c'est le ciel. Parce que si tu fornis, c'est fini pour toi. On efface ton nom du livre de vie. Donc, les gens sont dans une expression où ils ne parlent pas aux femmes. Ils n'abordent pas les femmes. Mais entre-temps, ils sont obligés de développer un esprit maintenant qui les amène à se masturber. Parce que au lieu de développer un sens de dialogue avec le sexe opposé, ils n'ont jamais accès. Et du coup, la femme devient à la fois un être inaccessible, mais aussi un être détesté. Sans qu'ils ne se rendent compte, ils rentrent dans une sorte de phagocytose, un système qui les ronge de l'intérieur et qui fait que la femme est détestée, la femme est considérée comme étant le mal incarné et donc on ne doit pas s'adresser à la femme. La seule fois où on a la possibilité de s'adresser à la femme, c'est peut-être le jour où on se marie. Et finalement, c'est ce qui fait en sorte que les mariages dans les milieux chrétiens soient un fiasco parce qu'effectivement, il y a des personnes qui n'apprennent à parler aux femmes que le jour où il va dire qu'il va se marier. Donc, ces personnes-là sont complètement étrangers, ne serait-ce qu'au simple dialogue avec une femme. Et il faut aussi comprendre que la virilité développe chez vous une certaine estime de vous. Quelqu'un qui a l'habitude de parler aux femmes, il va avoir une haute estime de lui parce qu'il sait qu'il a la possibilité d'aborder le sexe opposé et de pouvoir parler de façon fluide. Il ne sera pas timide, il ne sera pas frustré à l'intérieur de lui. Par contre, quelqu'un qui ne fait pas ces choses, non seulement il sera frustré, mais chaque fois qu'il sera devant une femme, il va développer une certaine hostilité. Et en plus de cela, la virilité vous permet aussi de perpétuer le clan, perpétuer votre espèce, c'est-à-dire la reproduction. Donc si vous n'avez pas accès à la femme, il vous est impossible de vous reproduire et donc d'une certaine manière de participer à la prospérité de la population. Parce que la Bible dit clairement que multipliez-vous et remplissez la terre. Mais pourquoi à l'église on nous interdit complètement d'aborder les femmes? Je ne dis pas qu'on interdit catégoriquement, mais il y a une sorte de règle qui fait que chaque fois que tu parles avec une femme, on va dire que tu es quelqu'un qui convoite. Ou bien si tu es quelqu'un qui a cette habitude-là de dialoguer avec les femmes, on te considère comme un efféminé parce que tu restes toi avec les femmes. On te considère aussi comme étant un charnel. Non, il n'est pas spirituel, il est charnel le frère-là. Il ne connaît rien, il aime traîner avec les femmes. Et ça fait quoi? Ça fait que ça castre les hommes. Malgré le fait qu'ils ont un caractère masculin, ils sont complètement castrés. Parce qu'ils s'interdisent, ils s'auto-castrent et ils se frustrent à l'intérieur au point de détester la femme. Et la dernière chose encore la plus grave qui est entraînée par le fait d'interdire et de castrer la virilité des jeunes gens, c'est que les jeunes gens perdent de leur fougue et de leur entrain de jeunesse. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus cette volonté de se développer. Parce que plus vous avez développé ce rapport avec la femme, plus vous allez être quelqu'un d'assez protecteur, quelqu'un d'assez développé dans un certain caractère de masculinité.
Vous avez remarqué que toutes les personnes qui ne parlent pas aux femmes, qui ne savent pas parler aux femmes, c'est-à-dire il y a deux possibilités. Soit ils sont vraiment froids et timides, ou soit alors ils ont un caractère trop violent et oppressif vis-à-vis des femmes. Quand une femme se retrouve en face de lui, elle a même peur, elle se dit, ah, lui là vraiment, est-ce qu'il est quelqu'un de stable et de normal? Le fait de communiquer avec les femmes, ça régule un certain nombre d'hormones qui vont vous amener à une certaine stabilité. À un certain âge, vous avez besoin de communiquer, de dialoguer avec le sexe opposé. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes dans une religion où on vous interdit de faire ça, vous allez vous retrouver à 30 ans, vous ne savez pas converser avec une femme. Vous n'avez jamais même eu un rapport avec une femme. Vous allez être quelqu'un de complètement désaxé et déséquilibré. Ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas pour vous encourager à être des charnels comme vous pensez dans votre religion, mais c'est pour vous amener à réaliser un certain nombre de choses. Arrêtez de penser que le christianisme s'est sorti de l'humanité. Au contraire, le christianisme, c'est la chose qui vous permet de réintégrer vos caractères humains et de vivre comme un être humain normal. La Bible dit que Jésus a vécu dans une chair en tant qu'un homme, pourtant il était Dieu, mais il a vécu comme un simple homme, c'est ce que la Bible dit. Mais nous voulons vivre, non pas comme des hommes, mais nous voulons maintenant vivre comme des dieux avec des caractères oppressifs vis-à-vis des sexes opposés, avec des caractères complètement désaxés. Chaque fois qu'on voit la femme, c'est qu'on a vu Satan en chair. Non, il faut que ça change. Il faut que vous appreniez à vous réapproprier votre virilité parce que c'est ce qui va vous ramener au caractère d'un être humain normal. La deuxième chose que la religion a retirée chez la jeunesse, c'est la responsabilité. La responsabilité pour moi, c'est quoi? C'est le fait de penser que, à part moi, personne ne va changer les circonstances ici. On nous a fait croire pendant longtemps qu'il fallait s'attendre à Dieu. Et dans ce slogan, il faut s'attendre à Dieu, on a complètement délaissé notre responsabilité, non seulement de transformer notre vie, de développer les projets qui nous appartiennent pour pouvoir façonner notre destin. C'est-à-dire que là, vous êtes l'architecte de votre destin. Il n'y a aucun Dieu qui viendra de nulle part pour pouvoir changer votre vie. Dans la vie que vous avez deux forces qui vont façonner votre destin. Vous avez premièrement ce qu'on appelle le hasard du destin. C'est-à-dire que c'est une force ambiante qui est là, qui fait qu'en l'absence d'action, il y a une inertie qui vous amène à faire un mouvement. Mais sauf que ce mouvement ne sera jamais en votre faveur. Il peut aussi arriver que ce mouvement soit à votre faveur dans la mesure où il répond à un certain nombre de choses. Mais il ne pourra pas répondre à toutes vos exigences exactement comme vous le voulez. C'est pourquoi Dieu a donné à l'homme le principe de la volonté. À travers la volonté, l'homme se transforme, l'homme façonne son destin et l'homme se projette. Mais on nous a fait complètement effacer le rôle et la responsabilité de l'homme pour dire qu'il faut s'attendre à Dieu. Donc, il n'y a que Dieu qui doit tout faire. Si tu veux aller faire un voyage, tu dois d'abord prier Dieu. Si tu veux te lancer dans un projet, un business, un investissement, il faut d'abord prier Dieu. En fait, tout ce que tu veux faire, tu ne peux rien faire si tu n'as pas consulté Dieu. Oh, tu vas entendre les gens dire, ouais, est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu as consulté Dieu? Oh, tu veux faire ceci? Mais qu'en pense Dieu? En fait, on met Dieu partout, même là où Dieu n'a même pas besoin d'être. C'est-à-dire que pour aller faire des courses au marché, oh non, je vais d'abord prier pour voir si c'est la volonté de Dieu que j'aille faire des courses. Mais tu vas mourir de faim. Il y a des choses, tu n'as pas besoin. Sur le plan ontologique, tu sais que ça relève de l'homme. Il faut le faire parce que c'est important de le faire en tant qu'être humain. Mais on va te dire à l'église que non, il ne faut pas le faire si tu n'as pas consulté Dieu. Donc tu vas aller prier, je ne sais pas qui, et il va te dire, ouais, il faut faire ou ne fais pas. Et du coup, les gens vivent dans cette espèce de bulle-là qui fait qu'ils ont perdu leur responsabilité. Ils ne sont même pas responsables de ce qui leur arrive. Quand il leur arrive un malheur, ils vont toutefois dire que c'est grâce à Dieu que ça m'arrive. Ou bien c'est Dieu qui a voulu que ça m'arrive. Et du coup, on en est venu à accepter le négatif sous prétexte que c'est Dieu qui a voulu. Parce que si Dieu n'avait pas voulu, ça ne devait pas arriver. Mais non, je suis désolé. Il y a des choses qui arrivent parce que vous êtes passif, parce que vous procrastinez. Et ces choses-là vous arrivent. C'est comme je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle l'inertie du destin. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de boule qui tourne, et aussi longtemps que vous ne manifestez pas le mouvement de changer ce mouvement, soit de révolution ou de rotation, ce mouvement-là va finir par avoir un impact sur vous. Par contre, à partir du moment où vous dites stop, ça va s'arrêter, et vous allez décider de tourner dans l'autre sens, et finalement, le sens giratoire sera déterminé par vous. Le sens giratoire de votre vie dépend de vous. Dépend des inclinaisons que vous avez dans votre cœur, des projets que Dieu a mis en vous et surtout de cette volonté de vous développer en fonction des projets et des aspirations que vous avez. Chacun de nous a un rôle à jouer, chacun de nous a une vocation et cette vocation ne va jamais s'accomplir si vous ne travaillez pas à façonner votre destin en fonction des aspirations qui sont à l'intérieur de vous. C'est pourquoi Dieu a placé en nous ce qu'on appelle la volonté. Et cette volonté-là nous permet
de nous définir, mais aussi de nous développer en fonction de ce que nous avons comme objectif à atteindre. La troisième chose, c'est l'ego. L'ego, c'est quelque chose de très important pour un être humain, pour un homme en particulier. C'est avec l'ego qu'on arrive à avoir une certaine volonté d'accomplissement. C'est avec l'ego qu'on arrive à avoir une certaine volonté de grandeur. Si vous n'avez pas d'ego et que vous tuez complètement votre ego, vous n'allez jamais vous réaliser. Vous allez être quelqu'un de vide. Vous allez être comme tout le monde. Et l'un des malheurs que je constate dans la jeunesse ecclésiastique, la jeunesse qui a embrassé la religion, c'est que tout le monde fait à peu près les mêmes choses. On va par exemple te dire que, ouais, il y a des métiers qui ne sont pas réservés aux enfants de Dieu. Comme quoi, faire de la politique, devenir quelqu'un d'influent, devenir quelqu'un qui a un impact et un aura très important. On va dire non, ça c'est pas réservé pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être effacés, ils doivent être humbles, ils ne doivent pas exister sur l'espace public. Ils doivent complètement disparaître de l'espace public parce que tout ça, ce sont les choses du diable. Et voilà comment on a tué un certain nombre de vocations qui auraient pu changer les choses sur le plan politique, qui auraient pu changer les choses sur le plan peut-être du journalisme, qui auraient pu changer un certain nombre de choses. Les jeunes sont complètement castrés, on leur a complètement ôté la fougue de la jeunesse qui leur aurait permis de réaliser un certain nombre de choses et de participer à l'éclosion de la jeunesse. Parmi les chrétiens, il y a beaucoup de jeunes qui sont doués de beaucoup de talents. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend ces talents, on les bride. C'est-à-dire, on leur interdit complètement de se manifester, sauf dans le cadre de l'Église. Et souvent dans le cadre de l'Église, quand ils vont travailler, c'est souvent pour le bénéfice du pasteur. C'est le pasteur qui en bénéficie. Et c'est là, dans ce cadre-là, qu'on leur demande de faire. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la musique, dans les différents départements d'activités socio-éducatives et socio-culturelles, les jeunes sont engagés à fond. Mais quand il s'agit de sortir du cadre de l'Église pour travailler maintenant sérieusement, pour permettre à leur propre vie de se développer, ils ne vont pas faire. Vous allez remarquer que la plupart des musiciens, par exemple, des fois ils ont des problèmes, ce sont des grands musiciens, mais ils ont des problèmes à s'acheter, ne serait-ce qu'un véhicule ou bien d'avoir une vie décente, d'avoir même un revenu tranquillement passif à partir du travail qu'ils font. Ils ont même peur de pouvoir monnayer leur savoir et bénéficier des bienfaits de ce talent qu'ils ont pour pouvoir se procurer de l'argent. Tout ce qu'ils font est gratuit parce qu'on a dit que le don que Dieu vous a donné, il ne faut pas le vendre, il faut le garder pour Dieu et puis il faut le garder pur, il ne faut pas le corrompre. Donc finalement, l'argent ne profite qu'aux autres et l'argent ne leur profite jamais. Et comme ils n'ont jamais de revenus, comme ils n'ont jamais d'argent, ils vivent dans la précarité et ils n'ont même pas la possibilité de s'acheter des choses qui leur permettent de se développer. Ils n'ont même pas la possibilité de se construire un avenir. Et ce sont des jeunes qui sont là, assis, priant et adorant Dieu à longueur de journée, mais sans espoir d'un avenir meilleur. Pour moi, je crois que l'ego est quelque chose qu'on doit simplement cadrer, qu'on doit préserver et qu'on doit permettre de pouvoir travailler en notre faveur et nous permettre de nous développer afin que nous puissions être la meilleure version de nous-mêmes. Sans votre ego, vous ne pourrez jamais vous développer. Donc, au lieu de brider votre ego, gardez-le, entretenez-le et canalisez-le. La quatrième chose que j'ai remarqué avec la religion, c'est qu'elle interdit pratiquement de tout faire. Ça dit que vous n'avez droit à rien. En tant que jeune, on n'a pas le droit de s'affirmer. En tant que jeune, on n'a pas le droit de se développer. En tant que jeune, finalement, on n'a même pas le droit de faire des études trop longues. En tant que jeune, on n'a pas le droit d'aspirer à la grandeur. On va vous dire, si vous grandissez trop socialement, vous allez finalement abandonner la parole de Dieu. Vous allez vous développer dans les choses du monde et vous allez rejeter la parole et vous allez donc perdre le salut. Et donc, la jeunesse religieuse et chrétienne en particulier vit dans une sorte de bulle fragile qui repose entre l'équilibre ecclésiastique et la crainte de perdre le salut. Donc, ils sont dans cette bulle-là qui fait que on ne sait jamais, il faut faire très attention. Les talents qu'ils ont, mais je vous assure qu'il y a des personnes très talentueuses, mais qui ne se donnent jamais la peine de pouvoir exercer ce talent en dehors. Et d'ailleurs, c'est même un péché grave pour un pianiste de prendre son don et d'aller le jouer dans un endroit où il pourrait gagner de l'argent. Si le pasteur découvre ça, mais c'est très grave. On va le livrer à Satan. On va le considérer comme un païen, un publicain. Si un jeune chrétien allait dans le cadre associatif, par exemple, pour pouvoir exercer la parole et parler avec excellence, pour pouvoir haranguer les foules, on va lui dire, mais le don que tu es en train de gaspiller, il aurait pu servir à l'évangélisation. Donc finalement,
leur vie est réduite à l'église et à l'évangélisation. En dehors de l'église et de l'évangélisation, vous n'avez droit à rien d'autre. Votre vie doit être consacrée seulement à ces choses-là. Mais qu'est-ce que l'évangélisation leur donne? Qu'est-ce que l'évangélisation leur promet en tant qu'avenir sur terre? Aucun avenir. Parce que finalement, dans l'église, tous les biens appartiennent aux pasteurs. Tous les biens appartiennent aux personnes qui sont élevées en dignité et leurs collaborateurs. Vous, le reste, vous n'avez jamais rien. On vous considère comme des ouvriers sans salaire. Vous devez travailler pour la gloire de Dieu, pour permettre à l'homme de Dieu de grandir dans son ministère pendant que vous, vous êtes en train de croupir dans la misère. C'est ça à quoi la jeunesse chrétienne est réduite. Ce que je suis en train de dire, je n'extrapole absolument rien. Je ne suis pas dans l'abus. Il suffit que vous puissiez regarder sur les réseaux sociaux ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que la majeure partie des pasteurs, c'est devenu un game. Ils prennent la jeunesse, ils les apprivoisent, ils les esclavagisent, ils les privent de toutes les libertés et de toute autonomie pour mieux les manipuler, les façonner à leur image et en faire des outils, des instruments qui vont travailler pour développer le système qui leur profite et qui fait leur manne financière. Pour moi, il est clair que lorsqu'on est jeune, on doit pouvoir avoir un certain recul. Je pense qu'il y a un moment donné où tu dois accepter la maltraitance, où tu dois accepter la domination d'un homme, où tu dois accepter toutes ces choses. Mais après, quand tu arrives à un certain âge, il y a une certaine maturité qui t'habite et tu apprends maintenant à analyser le texte biblique, tu apprends maintenant à sortir de cette conception psychologique pour pouvoir regarder les choses en face et savoir que là, c'est Satan qui est en train de m'utiliser à travers l'homme de Dieu pour que je ne me développe jamais. Vous savez, je me rappelle encore, il y a de cela quelques années, on m'avait clairement dit que il faut abandonner les études parce que tu vas devenir pasteur. On comptait m'envoyer dans une ville où il y avait un pasteur qui ne pouvait plus exercer. Moi, je leur ai dit clairement que non seulement je ne veux pas devenir pasteur, même si je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime parler, j'aime parler aux gens, c'est vrai, mais je n'ai pas l'intention de devenir pasteur. J'ai mon projet, j'ai mes objectifs à atteindre. Et même si vous me promettez quel salaire, je ne vais jamais partir dans vos choses-là. J'ai mon avenir à développer, j'ai mes projets à moi et je me développe en fonction de ces projets. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que j'ai toujours été quelqu'un de cash et de clair dans tout ce que je fais. On m'a également proposé de dire abandonne les études parce qu'on ne sait pas peut-être que... Et je vous rappelle qu'avant 2020, beaucoup d'églises pensaient que la fin du monde serait entre 2020 et 2021. Ils avaient prédit que 2020 n'arrivera pas, que la fin du monde arrivera. Finalement, on est aujourd'hui en 2024, la fin du monde n'est jamais arrivée. Et même encore qu'on a vécu la COVID et beaucoup d'églises ont été aussi surprises de rester à la maison, de ne plus pratiquer le culte. Et vous-même, vous avez vu ce que ça a causé comme scandale, où les gens étaient obligés de payer la dîme par des mobile money. Ça prouve quoi? Ça prouve simplement que tout ce qu'on fait dans le cadre ecclésiastique est l'émanation de l'homme. Aussi longtemps que c'est l'émanation de l'homme, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux le faire si tu veux. Tu peux sacrifier ta jeunesse, sacrifier ta vie si tu veux. Mais tu n'es pas obligé de le faire parce que tu as un avenir à te préparer. Le pasteur que tu suis aujourd'hui, peut-être que demain il partira. Peut-être qu'il ne sera plus là. Et que l'héritage qu'il a construit, que vous avez participé à construire, il va le laisser entre les mains de ses enfants. Et vous, finalement, vous serez des laissés pour compte, sans objectif dans la vie, sans avenir, et sans même avoir bénéficié de quoi que ce soit, malgré tout le travail que vous avez abattu. Soyez intelligent, parce que quand vous êtes jeune, vous avez l'intelligence, vous avez la force et la capacité de réfléchir avant de pouvoir accomplir un certain nombre de choses. Donc pour moi, il est clair que si un pasteur me proposait de pouvoir brider mon talent et de pouvoir me mettre dans une barrière où je n'ai le droit de rien faire, je m'oppose à la chose, j'avance parce que je dois construire un avenir, je dois laisser un héritage à mes enfants, je dois construire un héritage aussi et permettre à ma vie de se développer. Parce que j'ai un destin, parce que je suis créé à l'image de Dieu, je ne suis pas né pour accompagner quelqu'un, ni un pasteur, ni qui que ce soit. La cinquième chose pour moi, c'est la religion a réussi à plonger l'homme finalement dans un esprit de virtualité, surtout les jeunes. On croit à beaucoup de choses qui en réalité n'existent même pas. On vous promet un endroit où vous serez vraiment riche. Tout le monde sera riche là-bas au millénium. Personne ne sera pauvre. Tous ceux qui ont accepté la pauvreté ici seront riches là-bas. Donc, c'est pourquoi les gens s'interdisent même un certain nombre de choses. Ils s'interdisent certains succès. Ils s'interdisent une certaine excellence. Parce que pour eux, dès que tu as déjà eu ton excellence ici, à Mana, là-bas, il n'y aura plus rien pour toi. Donc, les gens s'efforcent et se donnent même de la peine. Et c'est pourquoi vous avez remarqué que dans ces milieux, il y a beaucoup de personnes qui sont très brillantes, très intelligentes.
mais ils n'utilisent jamais cette intelligence-là. Ou alors, ils deviennent expressément des moutons et ils décident de marcher comme des gens qui sont conduits à l'abattoir, sans pourtant relever la tête et se rendre compte que, mais attends, c'est quand même ma vie qui est en train de passer. C'est quand même mon destin qui est remis en cause. Non, ils se lancent simplement dans une aventure, dans une quête, mais une quête effrénée, où en fait, ils n'ont plus aucune maîtrise, où ils n'ont aucun droit de revendiquer quoi que ce soit. Et ça, je trouve ça juste dommage de constater que, avec la jeunesse, la fougue de la jeunesse qu'on a, on en est venu finalement à être encore les esclaves de nos semblables pour pouvoir obéir aveuglément. Alors qu'il y a un texte qui est là, qui s'appelle la Bible, qu'on peut tous lire, qu'on peut tous consulter et voir ce qui est dit par rapport aux discours qui sont prononcés, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. La Bible n'a jamais dit aux gens de tuer la virilité. La Bible n'a jamais dit aux jeunes de ne pas se développer. La Bible n'a jamais restreint la vie des jeunes seulement à l'église. Il faut seulement être dans les activités ecclésiastiques et ne jamais sortir. Non! Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Salomon, ben, il avait des activités, il avait des grands talents. Nous voyons que David, ben, il avait des activités, il avait des grands talents. Mais nous, nous nous résignons à l'église. C'est devenu le seul foyer d'expression. Et en dehors de ce foyer d'expression, il n'y a plus d'expression pour nous. Chaque samedi, tu les vois, ils partent à la répétition. Mais quand ils reviennent de répétition, ils passent des moments difficiles. Même pour avoir un simple billet de 10 000, les gars, ils ont des sérieux problèmes. Et c'est pourquoi vous allez voir que la jeunesse ne se développe pas. Quand vous allez en Afrique, soit les gens sont dans la distraction, soit ils sont à l'église. Mais jamais tu vas les voir se concerter pour dire que ouais les gars, on va faire un business, on va lancer une activité génératrice de revenus. Non, ça c'est pas bon, ça c'est du diable. Vous voulez vous accaparer des biens de ce monde et finalement, vous allez perdre votre âme. C'est exactement ces enseignements qui sont donnés. Et ça fait que la jeunesse est oisive, elle est stérile, elle est sans provision et elle est sans avenir. Elle est condamnée finalement à devenir esclave d'un système qui lui promet monde et merveilles, mais qu'elle ne serait peut-être pas la surprise si on découvrait demain après demain que finalement, le ciel qu'on nous a promis à toute pompe, en fait c'est vide, il n'y a que des feuilles là-bas. Vous ferez comment? Si tu arrives au ciel, on te dit que mais tu as sacrifié ta jeunesse pour rien. Mais ici, il n'y a rien. Tu feras comment? C'est-à-dire que tu arrives au ciel, on te dit que mais tu t'es sacrifié pour rien, mon frère. Ici, il n'y a rien. Tu fais comment? C'est-à-dire, en termes de potentiel, tu as un potentiel que tu dois développer. Tu as des activités que tu dois entreprendre. Tu peux devenir entrepreneur. Tu as ce talent. Tu as même quand tu dors, tu te vois en train de gérer des choses. Mais quand tu vas expliquer au pasteur, le pasteur te dit non, ça c'est du diable. Faut pas regarder à ça. Tu dors, tu rêves que tu es devenu un grand homme politique, tu es en train de parler aux foules, tu es en train d'arranger les foules, on te dit non, un fils de Dieu ne peut pas être un homme politique, ça c'est du diable, on te condamne, on prie même pour toi. Mais qu'est-ce que tu feras si demain après demain, quand tu pars au ciel là-bas, on te dit que mais là ici il n'y a rien, retourne, il n'y a même rien ici, tu vois. Ou bien quand tu pars là-bas, on te dit qu'ici là, il y a seulement le repos, ici on ne fait rien, il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Tu te rendras compte que tu as été escroqué, arnaqué, voilà. Et moi j'ai toujours à l'esprit un des messages très importants qui parlait de désillusion au jugement. La désillusion, c'est quelque chose où tu penses que tu es dans le vrai, mais finalement, tu constates par toi-même que mais, ce que je pensais être vrai est faux. Et beaucoup de croyants seront là-dedans, dans ce qu'on appelle la désillusion. C'est pourquoi il est très important pour chacun de nous de développer une certaine autonomie, que ce soit à l'égard des religions, à l'égard de la croyance, et aussi en termes d'action que vous posez au quotidien. Soyez autonome, soyez indépendant et ne laissez pas n'importe qui vous dire ce que vous devez faire. Conduisez-vous comme la morale prescrit de le faire. Ne soyez pas des personnes adonnées aux excès ni aux choses interdites. Respectez les lois, mais surtout, ayez la volonté de vous développer et de développer votre talent pour avoir un avenir meilleur, être épanoui. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce contenu. Pour moi, ce sont les 5 choses qui font que la jeunesse n'est pas dynamique dans le cadre de sa vie personnelle. Elle est dynamique dans la vie religieuse. Elle est adonnée à une certaine activité religieuse. Mais en ce qui concerne le développement personnel, tout est complètement vide. Et je pense que c'est regrettable, lorsqu'on est jeune, de ne pas s'accomplir, de ne pas se réaliser. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de ce type. Entre-temps, on like, on s'abonne, on partage. Et surtout, on me dit en commentaire ce qu'on pense franchement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!